Ne descends pas trop, s'il te plaît. Yann, ne descends pas sur le gardien. Si le gardien te dit qu'il a la balle, tu lui laisses la balle. Et écoute bien les consignes. Sinon, tu sors. Ne me fais pas, parce que franchement, à Francière, c'est un peu brouillon. Hein. Et voilà, on n'en fait qu'à sa tête. Ça, je veux pas. Je te préviens. Milieu offensif, donc ça veut dire aussi un peu attaquant. Mais Zo sera en attaquant pointe. Jouez tous les deux. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas à sa droite ou à sa gauche. Je t'interdis pas d'avancer, mais n'oublie pas de redescendre pour défendre un peu. Milieu offensif. Donc, milieu attaquant. D'accord ? Laisse bien les pieds, voilà, super Mohamed. Écartez.
Allez. Ouais, merci. Allez, Kylian. Kylian, t'es déjà fléchi, t'es déjà prêt. Bien, ça joue super bien. Non ? Bien sur le côté. Là, attaquant offensif, très bien. Très bien. Mohamed, il a su faire ses dégagements comme il faut. Kylian, à part son petit coup de folie, c'est bien, j'ai bien aimé. Très bien, attention, toi, tu as tendance à passer pardon, devant ton attaquant. Pense que tu es au milieu. On est comment, Esteban et Pierre? Est-ce qu'on a communiqué? Est-ce que c'est Esteban qui est devant ou comment on fait? Non, on s'est pas devant. Non, non, non. La tête devant. Jérôme, bonjour. Bonjour Sam. Tu peux te présenter pour le FC Mormant, s'il te plaît? Alors, je suis Jérôme Gauthier, j'ai 42 ans, je suis éducateur à l'Alliance de la Brie depuis cette saison seulement. Et l'année dernière, j'étais à Lieu-Saint. Lieu-Saint, en tant qu'éducateur également? En tant qu'éducateur. Quelle catégorie tu faisais là-bas? 17. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à aller à l'Alliance de la Brie? Alors, Lieu-Saint, je faisais juste un intérim, j'étais venu leur rendre service.
Je comptais cette saison ne pas faire grand chose au niveau du football parce que j'avais une activité professionnelle qui ne me le permettait pas trop. Et puis un ami de l'Alliance de la Brique ayant une fonction au club m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main. J'ai accepté leur projet et donc c'est pour ça que je suis venu. Et je ne regrette rien du tout, j'y suis bien et on essaye de relancer un petit peu le club. D'accord, c'est ce qu'on a vu, tu as l'air assez passionné quand même au niveau du football. Je suis éducateur à l'Alliance, j'ai plusieurs catégories. J'ai tout d'abord les U13 et je suis éducateur des seniors. Donc je touche vraiment dans les deux domaines où on fait des choses complètement différentes avec ces deux catégories-là. Ce qui m'importe avec les enfants, c'est de leur apporter des valeurs. Les valeurs du football qui se perdent à mon goût un petit peu en ce moment. C'est vrai. Donc, j'ai trouvé par ton intermédiaire, c'était le moyen de faire quelque chose de sympa aujourd'hui, aussi bien pour ton équipe que pour la mienne, et de leur apprendre les valeurs du football, c'est-à-dire d'être adversaire le temps d'un match, mais surtout de garder les valeurs sportives, extrasportives. Principales du football qui se respecte, tout ça. Voilà, avant le match, après le match. Ouais, on a vu, et on verra dans le générique de fin, que pas mal de photos. D'accord, on a trouvé ça vachement sympa de faire une photo avec les deux équipes mélangées. Je pense que c'est quand même ça aussi l'esprit du football, chose qu'on ne voit plus maintenant. Exactement. Un match engagé quand même ? Match engagé, oui. Alors déjà, ton équipe mérite sa victoire. Très belle équipe et je t'en félicite et je félicite tes garçons. En termes de qualité, on a vu la différence. Ton équipe était supérieure. Moi, je suis dans un autre projet avec mes garçons parce qu'on part un peu plus loin. On va continuer de travailler pour progresser. Aujourd'hui, grosse différence. Moi, ce qui m'a manqué en première mi-temps, c'est que j'avais mes garçons qui n'avaient aucune envie, qui étaient venus non pas pour jouer au foot, mais pour se promener. Donc ils ont été punis, ils ont pris 8 buts en première mi-temps. Ton équipe, elle, est restée en place, a écouté tes consignes et a respecté l'adversaire parce qu'ils nous ont punis en marquant plein de buts. Donc j'ai fait mes petits réglages à la mi-temps. Alors, j'ai vu, ça a changé. Voilà, il fallait changer l'attitude et on a un peu plus existé en deuxième mi-temps. Ouais, c'est ce qu'on a remarqué d'ailleurs. Après, il y a eu un partout, on va dire, c'est à la deuxième mi-temps. Ça, ouais. En tout cas, nous on te remercie vachement déjà pour ta sympathie. Merci. D'accord. Pour tes joueurs qui ont vraiment, pareil, respecté leur adversaire, ce qui était vraiment des choses qu'on ne voit plus trop en ce moment. Moi, j'ai passé un super moment. D'accord, et ben j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de refaire des rencontres. Voilà, ça sera avec grand plaisir, je suis content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. On va un peu dans le même sens et ça me fait plaisir. Et on va se revoir, c'est une évidence. Et oui, au moins on n'a pas existé sur le terrain avec mon équipe, mais je veux qu'ils gardent les valeurs, c'est-à-dire voilà, respecter l'adversaire et aller saluer, partager le petit goûter que tu nous as offert aujourd'hui tous ensemble. Avec plaisir. Etc. Merci à toi. Et ben merci à toi également, je te dis à bientôt.